Challenger au top contre un Master. Rumble Ignite. Ouais, ils ont un bon ADC. Le Graves a un truc tchal. Faut gagner celle-là. Faut gagner celle-là. Welcome to Summoner's Rift. My presence causes 30 seconds to heal spawn. Objet de flash. Il ne va pas flash, il est mort. Sa line au top est jalouse, il est mid life, il peut pas base. Il se fait invade son blue buff. Et il se full mute après avoir run down level 1, nice. J'ai mal à capter ce qu'il fait, il farme pas. Il a plus de mana. Et j'ai le push. Je sais pas trop ce qu'il branle en vrai. Solo kill top, level 2. Level 1. Elle a pas flash. Ravi. Double buff, il a une TP, j'ai eu une assist, lui a le kill. Il a pas perdu de CS en plus parce que bah comme il a eu le temps de push, il a réussi à prendre toute la wave. Je suis en retard. C'est. Ma game est terminée. Ma game est terminée. On sait pas pourquoi il vient mid en vrai.
Ils sont... Il va TP malheureusement. Je vais réussir à push. Juste il va pouvoir me mettre un Q-spell de loin, faut que je fasse gaffe. Voilà. Et on va aller ici. Nice splash, Pancakes. Enfin, CS de retard top. 0-2. Blind pick Kayle. Jungle meurt deux fois. Level 1. Sur l'invade. Double buff au mid en face de moi. C'est un plaisir. Il est mort. Hein. Il est mort. Il va récupérer son Q-spell, je pense. Il va disrespect et faire un camp ou il va... Il fait le camp, hein ? Ils ont les Void Grubs. En fait, c'est qu'avec le kill double buff qu'il a donné au mid, je peux pas vraiment avoir d'avance. Ça pour mon air top, ravi. Ravi, ravi. On va jouer comme ça. Elle a une TP au moins, même pas. 30 CS, 0-3. Ils vont encore reperdre des trucs, hein, là. Il est mort au bot en 1v1. Il préfère aller dive là-bas.
Et elle est morte au top. Il a toujours pas tué au top, hein. Ok. Elle TP alors que le mec est en train de récupérer sa way. C'est dommage qu'on ait pas tué Karma Graves, mais je pouvais pas, il avait le flash et tout, c'était trop dur. Le fait qu'il soit mort en 1v1 au bot, ça met plutôt bien. Hein. Il a TP bot, ils sont tous morts, ils ont fait 0 kill. Karma. Je sais pas, toute l'équipe est faible. Hein. Toute l'équipe est faible au jeu, vraiment. Il est en 3-3-3, il met 10 CS, je sais même pas comment c'est possible. Et on n'a pas particulièrement le scaling. Ouais. On n'a pas particulièrement le scaling en vrai. Je pense que la game est legit FF1. C'est juste player diff encore, notre rôle. Hein. Ce qui prend top, l'ADC pareil. Mais bon, c'est Attila. Il est mort au bot en 1v1. Je sais pas ce que fait le Aphelios. Hein. Ça m'énerve que le way est faible. Hein. Encore une fois, je le fais sucer toute la game, mais bon, ce sera pas suffisant, je pense. On va faire au mieux. Hein. De toute façon, faut jouer full AP cette game. Mais je peux pas vraiment le sidestep. Rakan n'avait pas de shield, j'imagine. Bien joué ça.
faire trinket bleu. Hein. Non, y a rien, ça a rien à voir le truc des 30 minutes. Cette game, on gagne pas forcément au scaling, ils ont beaucoup d'avance, ils font trop de dégâts. Là, en language, va se prendre un midlife avant même de pouvoir go in. Ils ont deux Drake. Their skills appear non-transferable. There is much to learn about this world. Vraiment, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je vais faire Shadow Flame et pas Horizon, histoire d'avoir les dégâts. Je continue d'aller mine. Je refuse d'aller en side et de rien pouvoir faire et de laisser les mecs perdre partout sur la map. De toute façon, je pense qu'on a perdu anyway. Avec le retard qu'on a, ils ont le contrôle des Drake, on est obligé de prendre tous les fights, on n'aura jamais le contrôle. Je vois pas, mais... Ça verra bien. On aura peut-être un... sursaut de skill. Je sais pas combien de E-in va faire Attila dans la game, mais ça commence à être un peu cringe, non? Se faire go par Rumble qui shift la map. Cette base là. Ouais. Je l'ai du coup. Bon, je fais énormément de dégâts sur un CC, mais il faut qu'il y ait un CC quoi. C'est le problème. Lui il doit mourir. Il meurt. Un slow, un truc. Okay.
aussi. Tu mens. Ok ça. Asper Usual, on est 1v9. On va laisser le bot à Kayle pour être dispo ici. Le Rakan n'est pas mauvais en vrai avec nous. Il y a peut-être un peu trop, l'Huracan n'a pas lui donné de shield back, mais j'avais besoin de space. Felios va peut-être réussir à avoir de l'impact dans la game. Je sais pas, il était top, hein, il chillait un coup. Et il a waste son ult, du coup il a pas l'ult le Aphelios. La Kayle TP top. Il peut mourir. Hein. Je sais pas trop ce qu'il nous fait. Il est mort. Ils vont nash. Parce que notre ADC est mort aussi. Ouais, bien sûr, ils vont nash. Hein. Après, ils sont low HP. Mais je pourrais pas défendre, je pense. Ah, mais si, j'ai vu le R d'Aphelios. Mais qu'est-ce que je te dis? Le mec est mort, il a R le vent. Hein. J'aurais dû R avant, je voulais pas R, mais j'aurais dû R avant sur le Graves.
La player diff est vraiment vraiment fascinante. Ah mais j'espère bien que tu vas venir, frère. Pourquoi t'es top même sur ce timing? Alors si je peux taper, on a gagné. Mais bon, c'est dur, hein. Ok. Merci. C'est vraiment vrai. Enfin, elle a été farm une wave au bot en fait. Elle a été farm une wave au bot. Je ne sais même pas quoi dire. Genre, c'est. Faut se réveiller les frérots, hein. Faut se réveiller. Endoskeletal, quite peculiar. Heureusement qu'on a le Skarner champion, hein. Arrive. Oi, 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 oi. On a plus d'engage. Voilà, je pense que c'est difficile de jouer le Drake. Hein. La gueule du champ, hein. Heureusement, heureusement que le Rakan, même s'il a, il y a un peu de oupsie à droite à gauche, est bon, parce que c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose la game que je propose mécaniquement et qu'on est... En vrai, ça me casse les couilles. Les games où je joue bien, j'ai l'impression que les mecs avec moi ont un debuff cafard, et les games où je joue comme un chien, mes teammates sont... Faker Hall of Fame, genre ça me casse les couilles. Ils sont complètement outpost, hein. Et bon, notre Skarner est complètement off-tempo. C'est mort. On a peut-être perdu la game au mid, hein, là, by the way. Ils finissent, je pense. Il y a le buff Nashor pour les ralentir, mais je pense qu'ils finissent il y a 30 secondes. Ils ont 3 Void Grubs avec 5 range. Je pense qu'on a peut-être perdu la game. La K, il a pas d'ulti. Je pense qu'il termine. 17 secondes à Felios. Ça paraît être peu. 10 secondes. Faut taper la wave. Ou au moins les taper, au moins essayer de faire un truc. Oui, Kayle. Ok, ça va. Ça va, ça va.
Là, le S se permet de E-in parce que toute la team est off-tempo. La Kayle est bot, le Skarner a préféré faire deux camps de plus pour compléter un item. C'est vrai que c'est super important de compléter un item quand on a 5 man Baron Ashor contre rien en face. Ils sont off-tempo, pas au mid. Le mec a E-in sur la mid lane. Ça n'a aucun sens. Mais le niveau est tellement catastrophique. Mais ils ont Attila, on a Wolf and Lamb, le cafard de tous les temps, avec son Aphelios, rentre dans nos mid, on sait même pas ce qu'il fait. J'ai perdu mon flash. Je l'aurais pas pour le break. Oh! Nice catch. C'est bien ça. Il moi. Il va me flash in. Tous morts. Aphelios c'est encore bot. C'est un 4v5 hein, sur le papier. Ok. Je pense qu'il meurt malheureusement, mais... perd son flash pour pas grand chose, en vrai. Il était safe, il y avait Kayle qui arrivait et tout. Le Aphelios ne joue pas pour gagner, il joue pour faire des montages TikTok. Il joue pour faire des montages TikTok. Il refuse de jouer avec nous. Groupé, je me suis encore fait flash in par lui. Je sais pas combien de fois il m'a flash le Rumble en face. 6, 7 ? Dur de jouer, hein. Je me fais outrange par toute la compo en face.
les mecs ne méritent pas de m'avoir dans leur équipe. Je suis littéralement un seigneur en fait. Regarde-le encore lui. Il n'a même pas joué le fight. Comment je fais pour perdre des games à Stello, frère? Je leur pisse dessus, legit. Le Q-spell que je... Tu s'en fous à leur level, frère.